And hello to everyone who is joining us today. We're just going to wait a few more minutes while everyone gets in and gets settled and gets their technology set up. While you wait, please feel free to introduce yourself in the chat menu and to offer a land acknowledgement from the territory that you're joining us from today. Thank you, merci. And a reminder to those who are just joining us, we're going to wait a few more minutes to get in and get settled. Please feel free to introduce yourself in the chat menu. Just another reminder that we're going to wait a few more minutes to get started in today's session. Please feel free to introduce yourself in the chat menu if you'd like. Thank you. Merci, Jacqueline and Luke, for starting us off. And just a reminder to those who are just joining us, we're going to wait another minute or so before we get started. All right, folks, so we'll get started now so that we can use our time to the best advantage. Welcome to the fifth and final day of the 58th annual KEGS conference and to the second concurrent session planned for today. We're delighted to be joined by a group of esteemed colleagues from across North America. Two of our panelists today are from the Canadian province of Quebec, and two of our panelists are joining us from the American state of Michigan. What a wonderful demonstration of the international dimensions of graduate education and the specific topic of data. Indeed, this panel is both multinational and multilingual, and it is proudly sponsored by ProQuest, a longtime partner and collaborator with KEGS. We are delighted to have this panel present today. I'd like to begin with a few technical considerations before we get started. Importantly, we are pleased to provide simultaneous interpretation during this event, and you can access a transcript of this session in French by clicking on the link that is available on the landing page of this session. So that's the page that you use to navigate here. And I'll repeat that in French just in case anybody who doesn't have that set up yet. And I'll do my best, thank you. Il est très important de noter que nous sommes heureux de fournir une interprétation simultanée lors de cet événement. Et vous pouvez accéder à une transcription de cette session en français en cliquant sur le lien disponible sur la page d'accueil de cette session. Merci. If you would like to pose a question to the speakers, please feel free to type your query into the chat menu located at the bottom of your Zoom screen. You may also raise your hand and ask to pose a verbal question to the audience. Finally, this session is being recorded and will be able to be watched later and enjoyed later. Without any further ado, I would now like to introduce a special guest. Dr. Jillia Smith serves as Director of Academic Relations for ProQuest, where she manages content acquisition relationships with universities in Australia, New Zealand, and North America. She has worked in academic affairs at the University of Michigan, Columbia, and Harvard. She holds a doctorate in higher education research from the University of Michigan. Dr. Smith, we are delighted that you are joining us today. Thank you, Ian. It is a great pleasure to be here today.
ProQuest greatly values the collaboration that we've enjoyed with CAGS over the years, and we're delighted to have this opportunity to participate in the 58th annual conference. It is a particular pleasure to have the opportunity to convene a bilingual panel on data science today. I want to begin just by telling you a little bit about ProQuest and what we do. And don't worry, I won't belabor it because I know that everybody's here to hear about the science. But ProQuest was established at the University of Michigan in 1939 and hosts a digital library called the ProQuest Dissertations and Theses Global, which comprises the largest, most comprehensive corpus of emerging scholarly works in existence today. It serves as the official repository for the British Library and the Library of Congress, and includes approximately 300,000 theses from Canada, including collections from the universities of Toronto, McGill, Windsor, and others. We partner with academic institutions in more than 100 countries to provide metadata, indexing, and electronic versions of doctoral dissertations and master's level theses. Many of these are used in institutional repositories and are made available via open access thereby. Our subscription collection is available to more than 3,100 academic institutions and libraries across the globe, ensuring that these important graduate works reach a targeted scholarly audience. Thank you, and looking forward very much to the panel. Excellent, thank you, Julia. And I would now like to introduce our first speaker for today. It is my pleasure to introduce Dr. Dominic Forrest, a full professor at the School of Library and Information Science at the Université de Montréal. He is a specialist in data science and more specifically text mining techniques in the context of digital humanities and information sciences. He teaches and conducts research activities in the fields of artificial intelligence applied to textual data analysis, digital information dissemination, and digital publishing. His research work is at the intersection of cognitive computing, information sciences, and digital humanities. Dr. Forrest will be presenting today in French, but he is able to take questions in both official languages of Canada. Thank you, Dr. Forrest, for joining us today, and it is my pleasure to pass the virtual microphone to you now. Thank you, Ian. Bonjour à tous. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Parfait, merci. Alors, je vais débuter en vous remerciant tous et toutes d'être présents aujourd'hui avec un remerciement particulier pour CAGS de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler de ce que je sais faire dans le milieu professionnel, à savoir de l'analyse de données dans le contexte de la recherche universitaire. Comme Ian l'a mentionné, donc ma présentation sera en français. N'hésitez pas à me poser des questions en français et ou en anglais, ça me fera plaisir d'y répondre. Et sachez que vous pouvez aussi m'écrire et je rendrai disponible le document d'accompagnement que vous voyez présentement à l'écran. Alors, mon objectif pendant les 15 prochaines minutes est d'introduire la question de l'analyse des données telle qu'on la pratique présentement. De soulever un certain nombre d'applications et d'enjeux dans le contexte de la recherche universitaire. Je vais les aborder de manière très rapide pour que nous puissions, au besoin, en parler par la suite. Alors, je vais débuter très rapidement en posant la question, pourquoi analyser des données dans la mesure où, à partir du moment où on fait de la science, et ce depuis des siècles, on se trouve dans les faits à analyser des données, alors qu'on sait que présentement, il y a un intérêt grandissant pour le domaine de l'analyse des données et plus particulièrement de l'analyse des données textuelles. À ça, on peut identifier à tout le moins 5 principaux facteurs qui justifient l'intérêt pour la discipline actuellement. À savoir, dans un premier temps, l'importance des investissements en technologie. Depuis plusieurs décennies, on investit afin de déployer des environnements informatiques.
Et ces investissements, bien évidemment, coûtent cher. On pourra en reparler au besoin dans le contexte universitaire. Et il faut, dans une certaine mesure, justifier ces efforts technologiques qui sont déployés. Ces processus informatisés, donc ce qui découle de ces investissements en technologie, nous ont permis d'obtenir de plus en plus de données. Hein. On peut y aller de manière chronologique. Il y a quelques décennies, on parlait de transactions financières qui étaient informatisées. Après ça, on a parlé de déploiement de systèmes de gestion intégrés. On a vu apparaître le web il y a une trentaine d'années, puis le commerce électronique et plus récemment, les réseaux sociaux. Et chaque processus informatisé se trouve dans les faits à nous permettre de collecter des données qui ont une certaine valeur. On constate aussi une performance accrue des systèmes. Hein? Alors, on a de plus en plus de ressources computationnelles importantes qui sont couplées avec des algorithmes qui sont de plus en plus performants. Vous avez tous entendu parler d'apprentissage profond, d'intelligence artificielle. Alors, on se trouve dans un contexte où les performances informatiques, que ce soit l'infrastructure où les algorithmes utilisés sont de plus en plus performants. Finalement, on comprend aussi qu'il y a une compétitivité informationnelle. Hein, l'information a une valeur. Et finalement, ben, on constate qu'en tant qu'humain, on a des limites pour analyser et gérer des données. Et donc, ces cinq critères qui ne sont pas exhaustifs justifient entre autres pourquoi aujourd'hui, en 2021, on a un intérêt pour l'analyse des données. Alors, bien évidemment, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais ce n'est pas un domaine qui est très récent. On faisait, il y a à peu près un peu plus de 20 ans, même une trentaine d'années, de l'extraction de connaissances dans les bases de données. On faisait du forage de données, de la fouille de données, et plus récemment, on parle de data analytique. Hein? Alors, qu'on peut définir de différentes manières, je ne vous lirai pas la définition qui est à l'écran. Mais ce sont des procédés, des processus que l'on fait depuis plusieurs années et qui nous permettent, dans les faits, d'extraire de nouvelles connaissances à partir des données. Hein. Fondamentalement, c'est ce que l'on faisait lorsqu'on extrayait des connaissances dans des bases de données il y a une trentaine d'années, et c'est ce que l'on fait encore maintenant sous une autre appellation lorsqu'on parle de data analytique. Hein. Et la particularité des données dans un contexte comme celui-là, et on va passer aux données textuelles dans quelques minutes. La particularité des travaux qui ont lieu depuis une trentaine d'années dans ce secteur, même 30 ou 40 ans, porte sur le fait que les données qui ont d'abord été analysées étaient d'abord et avant tout des données numériques structurées. Hein? On va y revenir dans quelques minutes, donc principalement des données numériques chiffrées que l'on pouvait analyser. Ce secteur donc de l'analyse de données comporte une dimension informatique importante et plus particulièrement en ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'il est maintenant question d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine ou plus justement d'apprentissage automatique. Hein. Alors, et c'est dans ce contexte, en 2020-2021, qu'on parle d'intelligence artificielle appliquée aux grandes quantités de données, ce qu'on va appeler les données massives, et tout ça se trouve dans les faits à contribuer au développement de ce que l'on appelle la science des données. Ça ne se limite pas, bien évidemment, à l'utilisation de ce type d'approche. Ça concerne aussi tous les enjeux liés à l'analyse des données, mais on peut facilement affirmer que l'analyse des données en utilisant de grands ensembles de données et des algorithmes d'intelligence artificielle occupe une place importante dans ce que l'on appelle la science des données. Mon objectif n'est pas de vous faire un cours sur ces algorithmes ou sur ces approches, mais à tout le moins d'introduire le sujet en vous disant, et on pourra y revenir au besoin, que si on cherche à comprendre le domaine, on peut dire grosso modo que dans le domaine de l'analyse des données, il y a deux grandes familles d'applications que l'on peut faire. Des applications prédictives qui cherchent à prédire certaines caractéristiques des données, et on va en reparler, des applications descriptives dont l'objectif n'est pas de prédire des caractéristiques, mais plutôt de
procéder à la découverte de traits caractéristiques qui sont récurrents dans les données. Hein? Donc, dans un cas, on se trouve dans les faits à partir des données et à extraire certaines informations importantes que l'on ne connaît pas à partir de nos données. Et dans l'autre cas, les applications prédictives cherchent plutôt à prédire des caractéristiques. On dira que les applications descriptives sont souvent ascendantes, bottom-up, alors que les applications prédictives sont des applications descendantes, top-down, où on cherche à prédire des caractéristiques. Et correspondent à ces deux familles d'applications, deux grandes familles d'algorithmes sur lesquels on passe rapidement, les algorithmes supervisés, que l'on oppose aux algorithmes non supervisés. On pourra en reparler. Alors, je veux surtout attirer votre attention sur les exemples d'applications que l'on peut faire sur de grands ensembles de données et que l'on fait présentement dans ce contexte-là. Hein? Cette liste est loin d'être exhaustive, mais on peut à tout le moins mentionner des applications dans le contexte de la gestion de l'offre et des promotions, hein, par exemple sur des sites web transactionnels. Le positionnement de produits, quel que soit l'environnement, est souvent réalisé en appliquant des algorithmes d'intelligence artificielle sur des données structurées. Les systèmes de recommandation, comme ceux auxquels vous êtes confrontés lorsque vous achetez des ouvrages en ligne sur le site d'Amazon, par exemple, vont analyser vos données transactionnelles et les coupler avec celles d'autres utilisateurs afin de vous proposer des ouvrages ou des produits qui sont susceptibles de vous intéresser. Tout ça est réalisé en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle sur de grands ensembles de données. La détection de la fraude est aussi un exemple de tâche que l'on peut réaliser dans ce contexte-là. L'attribution de crédit, l'évaluation de l'assurabilité médicale, ça nous concerne moins au Canada, mais ailleurs dans le monde, c'est un sujet bien d'actualité. Le recrutement sportif, la prédiction des revenus, et je pourrais comme ça vous en mentionner plusieurs. L'idée est simplement de vous donner un exemple de ce que l'on peut réaliser en utilisant des algorithmes d'analyse de données issus de travaux en intelligence artificielle. Et ça soulève plein d'enjeux. Donc, c'est un domaine en évolution. On a des algorithmes qui sont éprouvés et on s'intéresse beaucoup à l'application maintenant de ces algorithmes, mais ça soulève plein d'enjeux, comme je le mentionnais, en ce qui concerne la quantité de données, la complexité des données, l'hétérogénéité des données, la qualité des données. Souvent, les données que l'on doit analyser sont bruitées et doivent être nettoyées. Dans certains cas, les données sont dynamiques. Et ça soulève des enjeux aussi en ce qui concerne la représentation ou la visualisation des données. Et ici, je ne parle pas, mais c'est un territoire extrêmement important, de tous les enjeux éthiques qui découlent du traitement des données. Ce panel est surtout consacré à l'analyse des données textuelles, et j'y arrive. Il n'en fallait pas plus pour que, il y a une vingtaine d'années, les travaux réalisés dans le domaine de l'analyse des données soient transposés à l'analyse des textes. Hein, et on a vu émerger donc une discipline, ou en tout cas un ensemble de disciplines qui s'est consacré à cela, qui a eu différentes appellations. On parle actuellement de text analytique, hein, ou de text mining, où l'objectif est d'appliquer des techniques d'analyse de données à des textes, et où le défi principal est de convertir les textes en un format traitable par les algorithmes. Et cela est rendu possible grâce à plein de processus issus de travaux dans les domaines de la linguistique de corpus, du traitement automatique des langues, de la statistique textuelle, de la recherche d'informations, et ainsi de suite. Alors, et je peux vous mentionner, avant de passer aux enjeux à la recherche universitaire, un certain nombre d'exemples d'applications bien connues et bien documentées en ce qui concerne l'analyse des données textuelles. Donc, la recherche d'informations bénéficie de travaux dans ce secteur. La détection des courriels non désirables est un bon exemple de ce type de traitement. Les systèmes de questions-réponses, la description automatique des documents, l'analyse d'opinion, l'identification d'auteurs, la détection des fausses nouvelles, par exemple, sont autant d'exemples d'analyse de données textuelles que l'on peut réaliser. Alors, et je passe rapidement pour, je vois que le temps file, je passe rapidement pour soulever les quelques enjeux universitaires au niveau de la recherche que ces nouvelles techniques d'analyse de données peuvent avoir. Hein. Alors, au niveau de la gestion, on pourrait en identifier plusieurs, mais deux attirent particulièrement mon attention.
à savoir, entre autres, la prévention du décrochage dans une perspective d'université. On sait que c'est un problème bien réel. Et à partir des données que l'on récolte à propos des étudiants, certains travaux de recherche ont cherché à prédire la probabilité que certains étudiants décrochent de leur cursus. Et vous avez là à l'écran des indications. Donc, vous voyez que dans certains cas, on obtient des résultats qui sont très intéressants à cet égard-là. Une autre tâche ou une autre application qui me semble digne de mention dans ce contexte-là, à plus forte raison dans le contexte de l'apprentissage en ligne dans lequel nous sommes grâce à cette pandémie, la question de la détection du plagiat est un lieu intéressant pour l'application de processus d'analyse de données textuelles dans le contexte de la recherche et de l'enseignement universitaire. En ce qui concerne plus spécifiquement les enjeux pour la recherche universitaire, et c'est cela qui m'intéresse et dont j'aimerais que nous parlions aujourd'hui, bien évidemment, la disponibilité des données et des nouveaux algorithmes nous offre de nouvelles méthodes de recherche issues de l'utilisation de données riches. Et donc, de nouvelles avenues de recherche sont rendues possibles et donnent souvent lieu à la création de projets interdisciplinaires qui nécessitent des expertises disciplinaires, mais aussi des expertises techniques dans l'utilisation de ces stratégies d'analyse de données. Et ça permet, dans certains cas, je pense entre autres au domaine des humanités numériques, la création de nouveaux objets de recherche émergents. Alors, j'ai identifié 5 principaux enjeux pour la recherche universitaire qui découlent de l'utilisation de ces nouvelles stratégies d'analyse de données dont on vient de parler. Alors, la première chose, premier enjeu auquel il me semble que les universités doivent être sensibles dans ce contexte, la formation aux nouveaux outils de recherche. C'est quelque chose d'important. Les nouveaux outils ne sont pas maîtrisés par tous les étudiants et les programmes d'enseignement permettant de les former ont encore bon nombre de lacunes et donc c'est une dimension à laquelle on doit être sensible. L'accès aux ressources est quelque chose aussi d'important. La pérennité des environnements de recherche, on parle de projets de recherche qui sont couplés avec des technologies qui pourraient éventuellement devenir désuètes et qu'on ne pourrait plus réutiliser dans le temps. La question de la gestion des données de recherche est au cœur des préoccupations dans le contexte de la science des données. Je pense entre autres au format des données, à leur préservation, à leur partage et éventuellement à tous les enjeux légaux qui sont liés à l'utilisation de ces données. Et finalement, je terminerai en mentionnant les nouvelles modalités de diffusion de la recherche. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à des formats plus flexibles pour la publication des résultats de recherche. Je pense entre autres plus particulièrement aux mémoires et aux thèses qui, dans leur format actuel, sont très peu adaptées pour rendre compte des travaux qui sont réalisés en utilisant ces nouveaux environnements de recherche. Je pense entre autres à des applications comme Jupyter Notebook qui permettent dans des environnements textuels d'exécuter des éléments technologiques pourraient s'avérer des sources intéressantes dont on pourrait s'inspirer. Alors, je vois que j'ai à peu près dépassé le temps qui m'était alloué. Je vais arrêter ici et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dominic. That was great. Appreciate that. And our next presenter, maybe I'll hand things over to my colleague, Jillia from ProQuest, who will be presenting or introducing our next speaker. Thanks again, Ian. I'm really pleased to present to you today two researchers from the University of Michigan, who are both from the Institute for Research on Innovation and Science. And I want to take just a moment to explain what that means so that you have a better context for the research that they're going to talk about. The Institute for Research on Innovation and Science is also referred to as IRIS. And IRIS is a consortium of research universities
that use big data to explain, understand, and improve higher education outcomes. In that context, our next speaker and panelist, Dr. Natsuko Nichols, is a senior data researcher and research manager at IRIS. She leads the research support division and has responsibility for all aspects of data provision, documentation, and privacy protection. She holds a PhD in political science and is herself an active researcher user of what she will describe in a moment are the IRIS U-metrics data set. Dr. Nichols closely collaborates with IRIS faculty members in data sciences through various projects concerning data quality and report generation. And the steady growth of the IRIS research community ensures that there are more than 200 data users. So she focuses really on high quality data, documentation, code snippets, and facilitating record linkages within IRIS. I think I will stop there, but that gives you a flavor of what Dr. Nichols does and her background. And I want to also mention that following her will be Sang Tech Oh. He is a doctoral student in sociology at the University of Michigan, and his focus is on hyper-competition. So we'll be hearing from both of these panelists about their use of ProQuest dissertation and thesis data to further the larger goal of research on outcomes in higher education. So with that, I will turn it over to Dr. Nichols. Thank you, Julia, for the introduction, and thank you for the opportunity to be part of this wonderful conference. I'm Natsuko Nichols, Research Manager from IRIS. The Institute for Research on Innovation and Science is a member consortium of university anchored by an IRB-approved data repository hosted at the University of Michigan Institute for Social Research. Currently, we have data from 91 campuses that represents more than 40% of U.S. federal spending on research and development. IRIS collects record-level administrative data from its members to produce a de-identified data set for research and reporting that will improve our ability to understand, explain, and improve the public value of research. While earlier U-metrics initiatives was emerged as a partnership with U.S. Federal Science Agency, IRIS's research projects have been sparked and led by three co-founders. They are Jason Owen-Smith, IRIS Executive Director and co-founder at the University of Michigan from Sociology Department, Julia Lang, IRIS Node PI, co-founder, College Initiative, and new NYU Wagner School, Bruce Weinberg, IRIS Node PI, co-founder, and also Ohio State Universities and Economics Department. We have lots of partners, including individuals and organizations, and one of them is U.S. Census Bureau. We collaborate with data providers, not to mention ProQuest. Science funders are interested in the creation, transmission, and adoption of ideas and discoveries. Research investments enable investigators to hire the people and procure the goods and services necessary to conduct scientific work. In adding to generating discoveries, that work trains people and it creates and sustains the collaboration networks that are the source of innovation. As people move from individual campuses to jobs in many sectors, they carry ideas and skills learned from research with them. The application of these ideas and skills in new settings drives social and economic impact. Using administrative data, the IRIS data infrastructure can capture these movements and networks of collaboration.
Now, let me describe our IRIS U-metrics dataset with a focus on monetary flow and the value we add through record linkage. Whether funding originates in U.S. federal agencies, nonprofit organizations, or private companies, universities are award recipients. Therefore, universities track every record of employment and purchase made with research money. A core component of our dataset includes such records. However, administrative data are not originally collected for research purposes, and they become more valuable as we build meaningful connections between data files. For example, a given sponsored program helps a principal investigator build his or her own research lab while providing graduate students on the team with research experience and financial support. If team diversity is one's research focus in explaining the level of research productivity, award, publication, and patent data are often used to measure scientific work and production. For that, record linkages are, and their results play a crucial role in studies of team science. Through high-quality linkages to external data set, we augment the information we receive from member universities. Attributes of individuals include names, date of birth, date of year, affiliations, job titles. Awards are characterized by funding sources, recipient campuses or departments, award titles, spending records, etc. We connect these data fields or entities to agency records of grants or principal investigators. In addition to public available data, we rely on proprietary data such as ProQuest and Web of Science for publication records. One of the most unique and valuable elements of ProQuest data include the information about dissertation authors' academic advisors, who are almost always the principal investigator of a given research grant. This is why our linkage goes beyond to data set. In particular, records of university research spending is linked to details about awards and PIs, and then linked to their grad students who appear in the ProQuest dissertation and thesis database. From various linkage projects, here's what we learn and what we will continue to keep in mind for future project. Linkage has become increasingly important for administrative data. The more data we receive or we discover, the more opportunities for linkage. Linkage starts with data source discovery and selection. Row unique entity, which serves as a linking element, often requires significant effort of data cleaning. A prime example is the need to parse first, middle, and last names out of the full name in one string in ProQuest database. Linkage is more than just linking data set. It aims to build meaningful and functional relationship between variables across data sources. Developing linkage is not just about algorithm. It takes skill and judgment. So what I mean by the last bullet that requires skills and judgment, this is what I mean. The process of linkage is the iterative design process. So it starts from selecting a data set and then cleaning, and we identify the linking elements, which is the entity that we connect data set. And we limit the pairs to compare through indexing and blocking. And then we go through comparisons and then classifications. And then we finally build crosswalk. So here I'd like to show something very interesting. This is the line graph or nonlinear graph for ProQuest metrics link score distribution. So this is one of the good example that clearly shows where to draw a line. So here's a link between 0 and 1, and it's closer to 1. Of course, the exactly 1, score 1 is exact match, but we heavily rely on fuzzy match process, and then it goes between 1 and 0.8.
as you see in this graph, you can see there's a huge drop in terms of the paired use for comparison. And as we can see, as you can see, it's around 0.8 and 0.75. We have to draw a line where we say this is the match or no match. In so doing, we often tackle the questions about the high recall or precision issues versus also the false positive versus false negatives. And there are many methods to conduct the linkage, and we do not have time to go into the depth for that discussions, but I would like to share this slide with all the Python packages that use for ProQuest and U-Metrics linkage, and also the paper we wrote for this linkage work. Finally, in concluding my presentation, I'd like to share some snapshot of our findings from ProQuest and U-Metrics linkage. We have from U-Metrics employment and name data over 900,000 individuals. And we use names, affiliations, age, and also the department and grants that they have been paid on. And about 20% are graduate students based on job titles. Of that, we found 52,474 individuals matched either exactly or fuzzy matched. And they are over 53,000 authors. So as you see, the difference means some employees have more than one authors, more than dissertations or master's thesis. Of that record, we also looked into the type of degrees, 86% doctoral degrees, 14% master's degree. And we also utilize the subject field from each dissertation or thesis record. Of 23 subjects associated with the dissertation or thesis, top five popular subjects are engineering, biological sciences, health and medical sciences, social sciences, and chemistry. IRIS shares annual data release every year since 2017, and if you're interested in accessing our data or learn more about our data set, here's the website, and I would like to encourage you to go to the website and find more details, and I would be happy to answer any questions you have regarding our IRIS data set and our linkage works. So based on what we built and the crosswalk that we share with researchers, SunTech is one of the researchers who uses, and here's SunTech for how he used our product. Thank you very much. Thank you so much, Natsuko, and we'll turn the virtual mic over to you, SunTech. Thank you, Natsuko. Everyone can see this, right? That's perfect. Okay. So, hi, my name is SunTech, a sociology PhD student at the University of Michigan. And first of all, thank you for giving me an opportunity to present our work at this conference. And this work is a collaboration with my advisor, Jason Owen Smith, who is also the director of IRIS that Natsuko just explained. Thank you, Natsuko, for like explaining this. And so our research was basically possible because we had this wonderful database. And as you can see from the title, our work is about the hyper-competition in science and the reproduction of academic clones. And our work is quite relevant to the theme of this panel, which is applying text analysis, because we use grant abstracts and dissertation abstracts to measure our key variables. So I'm going to focus on how we use this text to conduct our research. Okay. So the background, competition is a normal thing in science, and everyone competes with each other, especially for funding.
And we usually treat competition as a positive driver of innovation. That is correct. But there is a growing concern about the hyper competition, I mean, the too much competition. And some scholars argue that a hyper competitive environment could suppress like creativity, cooperation, risk taking, and original thinking, thus creating an unsustainable academic environment. And following up this critical perspective, we asked then how would hyper-competition would affect scientific work, focusing in particular on the research activities of graduate students. And because there are lots of studies that focused on like innovativeness or cooperation, but less work has been done how this like hyper-competitive environment could affect graduate students. And we think and we hypothesized that there are possible detrimental effects of hyper-competition on graduate students. So this is our basic argument. So we argued that the hyper-competitive environment pressures faculty to constantly seek funding, which incentivizes them to train graduate students to over-specialize in certain parts of their projects. And this leads to graduate students to become clones of their PIs, and they fail to develop into independent researchers. So how it goes is competitive pressure goes to faculties and they train their graduate students to over-specialize in their projects, and those students become clones. So that's the basic logic of our research. So the key concept for this research is over-specialization. So basically what it means is if a graduate student only spend their times working on a part of their advisors or PI's project, they are over-specialized in that and they fail to learn like diverse skills and knowledge that help to become an independent researcher after they graduate. So we argue that the stronger the competitive pressure imposed upon graduate students, they tend to highly over-specialize. Then, how do you measure over-specialization? That's the key part of this project. So we propose that the more similar a graduate student's dissertation abstract is to the grant abstracts that they were funded, the more over-specialized that graduate student is. So to test our argument, we constructed like three hypotheses. Basically what we do here is when a graduate student are in a more competitive pressure, they tend to be more over-specialized. So if you look at hypothesis one, when a graduate students are funded by junior faculties, they're more over-specialized than those funded by senior faculties. We assume that junior faculties are more pressured by funding and publications, so they are more in a competitive pressure. So the graduate students in that cases tend to be more over-specialized. And the second is when graduate students are funded by research funding, they are more over-specialized than those funded by training funding. So this is our hypothesis about like how research funding type could influence graduate students. So we assume that research funding types would pressure faculties to renew or create publications. So when a graduate students are involved in that research funding, they tend to only focus on part of that grants. However, when a grad students are funded by like training funding, such as in NSF, they tend to have more freedom to navigate around diverse topics so that they were less over-specialized. And lastly, our hypothesis about, we have hypothesis about the budget. So this is quite straightforward. Grad students working in a lab with a tight budget, which means they have more pressure, are more over-specialized than those whose lab had a sufficient budget. So these are the three hypotheses we constructed to test our argument. And this is how we constructed the data. So
I think this is already well explained by Natsiko, how like Iris data repository is constructed. So because Iris data repository links U-metrics database and ProQuest dissertation database, we have dissertation texts and also information about employees, in this case, the PhD students who graduated, the demographics of them, award info and institutions and team level information. So all these were in this Iris data repository. But there's a thing with sampling strategy. So how we did, we start from ProQuest dataset. We identify the people who finished their PhD, link those people to U-metrics dataset, and we identify the individuals who have paid on at least one of NIH or NSF grants. The reason why we only restricted to people who were funded by NIH or NSF grant was text availability. In other cases, like they don't provide the text, so we could not do some kind of text analysis. So if a graduate student weren't funded by NIH or NSF, they were excluded from the data set. And as a result, we get 19,855 individuals, and we use that as the sample. And measures and model. So we have independent variables that we use for our hypothesis, funding type, research versus training. These are categorical, and seniority. We could use job occupational status, but in this case, we just use age of PI that proxies the seniority, and we use team budget amount of funding for the independent variables. And control variables, we have a bunch of control variables thanks to Iris database. And in individual level, we can do we included gender, ethnicity, age, and for funding, sources, amount, duration, and teams, like size, composition, like grad students, the percentage of grad students or postdocs. And we also use some kind of topic diversity to control this model. For our model, we use pooled cross-sectional OLS regression, and we use institution and year fixed effects. And the key variable is over-specialization, as I said. So we propose that the more similar a graduate student's dissertation abstract is to the grant abstracts, the more over-specialized that graduate student is. So we have to measure the text similarity in order to get over-specialization. So the similarity between a PhD's dissertation abstract and the abstracts of the grants that one was paid from during the graduate student years is a text similarity measure. Then how do we measure the text similarity? This is where natural language processing or like text analysis comes in. So there are lots of ways to measure text similarity. The most popular one, or maybe the most traditional one, is TF-IDF score. And recently from like Google, they were using some like Word2Vec, Doc2Vec, that uses a machine learning technique to measure text similarity. So we are using also Doc2Vec score to measure text similarity in this paper. So the Doc2Vec is based, so I'll just like briefly talk about what Doc2Vec is. So it's a numerical representation of text documents. So basically it embeds the documents as points into a vector space with a particular dimensionality. So it's similar to like Word2Vec model, that which embeds each word, but it adds some kind of a tag that trains document ID in the model. So as a result, maybe this is too technical, but as a result, what we get is a vector space that, and has each document has each vector points in that vector space. And we calculate the distance between documents, then we can measure the similarity of those two documents. So creating document vectors with the whole corpus. So we use the whole corpus of abstracts
NIH and NSF and dissertation to create a single vector space. So each grant and each dissertation abstract is positioned in that vector space. So this is how we visualize what I mean by DoctorVec. So we just reduced into 150 dimensions, the 2D, two dimension to visualize it. So for each person, one can have like one will have one dot of dissertation. And then if a person has like one NSF and one NIH grant, one of the dot will be somewhere here and these somewhere here. And then what we did is calculate the distance between those dots. And then if a person had multiple grants, then we averaged the distances between one grants and dissertation and the other grants from the dissertation. So as a result, we get the similarity scores, and this is the distribution of similarity scores. And this, as a result, we get over specialization for the dependent variable, and all the independent variable and control variables are included in the model, but I did not like put them all here because that is too long. So these are the key ones that I wanted to focus on. So first three variables are the independent variables. You can see that if a graduate student was funded by training grant, they are less overspecialized. So overspecialization measure gets higher when text similarity gets higher. So it means that if you are funded by training grants, the text similarity goes down, which means overspecialization goes down. And the seniority of PI, which means if you're more senior, you're less likely to overspecialize. If you're junior, you're more likely to overspecialize. And team budget, which means if you have more budget in the team, then you're less likely to overspecialize. So these are, if you look at model four, these actually confirms our hypothesis. And gender, I was expecting some gender effect, but I could not find anything about gender effect. And topic diversity, if you have more like diversity in topics, you're less likely to overspecialize. So these are more like control variables. And I also control for fields. If you look at biological science, compared to natural science, biological science has more competitive pressure to overspecialize. So this is our result. And the conclusion is our hypothesis were confirmed, and we found that graduate students in a more competitive environment tend to overspecialize in part of their PI's grants. And this study has some implications for the relationship between competition and scientific work, especially for graduate students. And it could provide lessons on the ways that hyper-competition could damage academic sustainability by over-specializing graduate students who risk becoming a clone of their PIs or who fail to become an independent researchers. Thank you. Thank you, Sang-Tek. That was fantastic. And always nice to hear graduate students conducting research, because they are the future of our leaders. And certainly in the United States, I think to be a graduate student right now is very challenging. So great job, Sang-Tek. Next, I'd like to introduce our fourth and final speaker. Dr. Sel Maluli is a professor in information systems at the Management Information Systems Department of the Université Laval. His main research interests are artificial intelligence, smart cities, smart government, and natural language processing. Smart government, that's an interesting one. He is the former president of the Digital Government Society, and he holds a PhD in computer sciences from the Université Laval. Thank you so much, Dr. Maluli, for joining us today. Oh, you're on mute, Dr. Maluli. Here it is. Sorry. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Désolé. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait un très grand plaisir d'être avec vous. C'est multilingual.
I can also switch to Arabic if you want. I'm not sure the translation is there. So let's do it in French. So je suis très content d'être parmi vous et je vous remercie beaucoup également de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être dans ce grand panel et de présenter une expérience que nous avons vécue à l'Université Laval et qui pourrait être reproduite et inspirée d'autres universités dans un contexte très particulier, dans lequel nous avons des universités qui donnent un très grand nombre de cours. Et sur ces cours-là, nous avons des syllabus de cours qui contiennent beaucoup d'informations, qui décrivent les cours, qui décrivent comment les cours sont donnés, qui décrivent les notes qui sont données à ces cours, le déroulement des cours, etc. Et ça peut venir des temps où l'université dit « moi, je veux avoir des informations sur ces cours-là ». Je veux sélectionner un certain ensemble de cours qui me permettrait de savoir quels sont les cours qui sont pratiques, quels sont les cours qui sont théoriques, qui sont les cours qui contiennent des travaux pratiques, quels sont les cours qui ne contiennent pas d'examen. Et donc, on peut se poser plusieurs questions sur nos cours. Quand on a une dizaine de cours, ça peut passer qu'on puisse parcourir les syllabus à la main. Mais quand tu as des milliers de cours dans une institution de différentes disciplines, si on se pose la question quels sont les cours qui se basent sur des expériences, avec des dizaines de milliers de cours, avec des dizaines de facultés, des centaines de programmes d'études, alors ça devient un vrai challenge pour les universités, pour les facultés, pour trouver quel cours correspond à un critère de recherche bien particulier. Alors, c'est une question qui a été posée à l'Université Laval pour nous dire quels sont les cours qui sont basés sur l'expérience. Et c'est cette expérience-là qui est vécue que j'aimerais bien partager avec vous et pour montrer un peu le déroulement du processus en tant que tel au niveau de l'institution et les défis que ça peut amener pour l'organisation. Le contexte de, ce travail-là, c'est une demande. Avant que je ne sois vice-recteur adjoint aux études aux affaires étudiantes, j'étais directeur de département et j'ai eu un appel de la direction de l'institution à ce moment-là qui me dit « Celle, s'il te plaît, on aimerait bien voir avec toi, est-ce qu'il y aurait des moyens ou un moyen qui nous permettrait de trouver d'identifier tous les cours à l'Université Laval qui se basent sur l'expérience, ce qu'on appelle les cours expérientiels, si on peut le dire. Des cours où les étudiants font des stages, les cours où les étudiants, pendant leur cours, pendant certains cours, ils font des travaux avec des entreprises, ou pendant leur cours, ils font plusieurs expériences pratiques terrain qui leur permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, la question, est-ce qu'on est capable d'identifier tous ces cours-là au lieu de lancer un appel à plus que 1200 ou 1500 professeurs sur le campus qui chacun gère à peu près au minimum 4-5 cours, donc à peu près 10 000 cours sur le campus, pour dire, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les cours qui ont ces caractéristiques-là? Ce sera un processus très lourd administrativement et très demandant. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on a une capacité ou une façon d'aller chercher cette information-là de manière automatique? Alors, je leur ai dit, c'est un très beau programme, c'est un très beau challenge, un très beau défi. Et ça sera avec plaisir d'investiguer avec vous cette capacité-là ou cette possibilité-là. Alors, on est allé chercher... Dr. Malouli, my apologies, but your slides are not advancing. No, they're advancing for me. Okay. Oh, there we are. We're on slide 4. So do you see context the project aims at? Yes, yes, we can see that now, yes. Okay, I'm sorry, because they are advancing for me. Okay, did you maybe want to put it in presenter mode? Yes, it is in presenter mode. Okay. Do you have multiple screens? Because you might be presenting on the screen that we're not seeing. No, only one screen. Okay.
So I don't know why. Now, if I move it, do you see the new the analysis process or not? No. No? Okay. Just one. Okay, let me fix this. We can see that now, yes. Okay, I don't know. I need to make escape and then come back. I don't know. So apologies for interrupting you, Dr. Marlili. No problem. So let me go back to my context. So what I'm going to do is like this. It will be easier to follow. Is this okay? Do you see that? That is great. Thank you so much. Okay, this is great. Let's make it like that. So the idea was really how we can, comment, to change in English to French. Comment on peut analyser ces différents syllabus? Comment on peut travailler pour comprendre ce que syllabus contiennent comme information? Et surtout, l'objectif, c'est de savoir, de connaître les cours expérientiels. Donc, la question qu'on se pose, comment identifier un cours expérientiel dans le syllabus? Comment on peut savoir c'est quoi un cours expérientiel? Qu'est-ce qui le caractérise? Comment je peux le détecter automatiquement dans un syllabus de cours? Et c'était ça le grand objectif, c'était ça le plus lourd du travail que nous avons fait. C'est moins lourd que d'aller chercher les 1500 professeurs et poser toutes les questions sur toutes les disciplines. Mais c'est une étape qui est très importante de dire qu'est-ce qui caractérise un syllabus de cours pour dire est-ce que c'est un cours expérientiel ou c'est un cours qui n'est pas expérientiel. Donc, on avait deux classes, expérientiel ou non expérientiel. Alors, comment on pouvait faire cette distinction-là? Donc, ce que nous avons procédé à faire, c'est vraiment de mettre en place tout un processus d'analyse. Et ce processus d'analyse-là, c'était moi-même, en tant que supervisor, un de mes étudiants qui était avec moi. Il y avait le responsable à l'Université Laval de tout ce qui est données quantitatives, statistiques à l'université. On avait également la personne responsable de tous les programmes de cours à l'Université Laval. Et on avait une autre personne qui était une agente dans cette unité des programmes de l'Université Laval. Parce que toute l'histoire, c'est d'avoir des syllabus de cours que ce groupe-là de personnes de l'université puisse transmettre à l'étudiant toute la connaissance nécessaire qu'ils ont pour pouvoir classifier un syllabus de cours en tant qu'expérientiel et en tant que non-expérientiel. Donc, on a pris un ensemble de syllabus du système, on les a récupérés et on a fait travailler l'étudiant avec l'agente de l'unité qui s'occupe de tous les programmes à l'Université Laval. Et ces deux personnes-là, ils ont réitéré dans le training et le test, dans l'apprentissage et le test, une quinzaine de fois. En épluchant tous ces syllabus-là, c'était un échantillon de 100 syllabus. 100 syllabus de cours, c'est un échantillon initial et on a essayé de décortiquer tous ces éléments, tous ces syllabus-là pour savoir un être humain qui est devant un syllabus de cours, comment il va décider si ce syllabus-là, il est expérientiel ou non expérientiel. C'était la tâche principale. Et donc, on a essayé de réitérer et on a introduit également dans l'identification des mots-clés et des key features qui peuvent définir les syllabus expérientiels ou non, des techniques d'apprentissage non supervisées, en essayant de faire rouler sur syllabus pour identifier d'autres mots-clés que le système pourrait nous proposer, nous donner, afin d'enrichir le lexique nécessaire pour classer un syllabus expérientiel et non expérientiel. Donc, on a fait deux choses à l'apprentissage. La première chose, c'est que humain à humain, qui se parlait, pour identifier les mots-clés qui permettent de décrire les syllabus expérientiels. Et la deuxième étape, c'est de dire à un système, on a utilisé l'algorithme LDA, c'est non supervisé, on lui a dit, s'il te plaît, peux-tu nous faire sortir, d'une certaine façon, les mots-clés qui peuvent décrire l'expérientiel. Et ça, on a récupéré d'autres mots-clés et on a travaillé avec tous ces mots-clés identifiés par l'humain et par la machine pour nous construire un lexique. Mais il faut savoir très bien que c'est une phase qui a demandé beaucoup de rencontres entre les gens, beaucoup de temps, mais ça nous a permis, en fin de compte, de faire une certaine classification de nos syllabus.
Et on était capable de dire, avec des syllabus de cours, à quel degré de probabilité il est expérientiel ou non expérientiel. Et donc, on était capable, à la fin, de prendre vraiment une batch de syllabus de cours, une centaine supplémentaire, et de dire maintenant au système, suite à l'apprentissage, peux-tu me dire, s'il te plaît, quels sont les cours expérientiels et quels sont les cours non expérientiels. Et c'était très intéressant de faire rouler les algorithmes pour arriver à un résultat qui est assez intéressant, où vraiment à 70% des cas, on arrivait à de bons résultats, mais à 30% des cas, on n'arrivait pas à bons résultats. Et ça, c'est très logique. Pourquoi? Parce que ça, c'est proof of concept. Là, on va passer une prochaine étape dans les 2-3 prochaines semaines pour vraiment élargir cette étude-là. Proof of concept parce qu'on partait sur 200 syllabus de cours en tout ou 250 syllabus de cours avec une centaine pour l'apprentissage et 100-150 pour le test. Mais on n'est pas face à un vrai échantillon parce que l'Université Laval, c'est à peu près 10 000 cours qui existent. Donc, on ne couvrait pas très large pour enrichir le lexique qui est relié à l'apprentissage, lui donner un plus grand potentiel pour avoir à donner de meilleurs résultats. Mais ça montre qu'on est capable de faire à 70% sur une proof of concept, 70% des nouveaux syllabus, on était capable de bien les classifier. Donc, les défis qui se présentent à nos institutions, si demain matin, votre université, votre institution décide d'aller de l'avant avec une approche similaire pour classifier des syllabus de cours, pour identifier des cours bien particuliers qui se donnent sur leur campus, dans leur faculté, dans leur département, il faut se dire tout d'abord que oui, l'exécution va se faire par après très rapidement. Quand je donnais 150 syllabus, j'avais un résultat en 2 minutes. Mais pour arriver à avoir ce résultat-là en 2 minutes, ça prend du temps pour chercher des syllabus dans les systèmes des universités. Il faut voir comment vos systèmes sont construits. C'est très important de prendre en considération cet aspect-là. Parfois, tu trouveras les syllabus dans une même base de données, dans un même système, et parfois sont distribués dans plusieurs autres systèmes. Et dans ce cas-ci, il faut voir comment ramasser l'information. Deux, comment transformer le syllabus sauvegardé dans les systèmes des universités vers des formats pour faire de l'apprentissage. Donc, il y en a un transfert et ça prend du temps. Deuxième chose, parfois, dans certaines universités, il faut se dire que certains syllabus peuvent ne pas être définis de la même façon. Et donc, tu peux avoir des sections différentes, tu peux avoir des façons d'écrire différentes et ça peut influencer sur les résultats qui sont obtenus. Et parfois, on va mettre des phrases ou des mots qui ne mènent à rien ou qui n'ont pas aucun grand sens pour la recherche que nous faisons, ce qui dilue un peu plus l'information qui est recherchée. Ce qui est important également, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a le bon lexique d'apprentissage au début, parce que nous, dans notre cas, parmi les choses qui étaient en erreur, parce qu'on n'avait pas les bonnes données au niveau où il fallait avoir plus de données, disons, pour mieux faire apprendre le système afin qu'il classifie mieux les syllabus. Et il faut se dire que c'est un processus qui vraiment prend du temps, il consomme des ressources. Et tout ça, il faut bien le calibrer, mais ça ne prend pas 10 ans pour le faire. Ça prend quelques mois, 2-3 mois peut-être pour faire l'apprentissage et faire les exécutions, si on est à temps plein. Mais si les ressources, que ce soit au niveau de l'institution ou les ressources impliquées, comme moi, c'était un étudiant, qui ne sont pas à temps plein, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut bien ficeler ce genre de projet-là. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ça peut donner de nouveaux outils à nos universités et facultés d'impliquer et d'utiliser l'analyse de données, l'intelligence artificielle pour extraire des données importantes de leur syllabus de cours. Ça prend de l'apprentissage, donc il faut bien évaluer le degré d'apprentissage, mais je recommande toujours, comme on l'a fait, de passer par un proof of concept, s'assurer que ça peut marcher pour qu'on puisse aller plus loin dans ça. Et il faut une équipe multidisciplinaire. Si vous mettez juste des informaticiens déconnectés du milieu de l'institution, ça peut causer quelques petits problèmes au niveau des résultats. Mais en ayant des gens en informatique qui vont développer avec des gens qui connaissent le domaine d'affaires de l'institution, ça facilite énormément la vie au niveau de l'apprentissage et des résultats obtenus. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'étais dans les temps. On m'a dit moins que 15 minutes. J'ai pris 13 minutes 52 secondes.
Et je vous remercie beaucoup et ouvert aux questions. In English or in French questions, you're welcome. Merci beaucoup, Yann. Excellent. Merci beaucoup, Cel. Appreciate that excellent presentation. And that will wrap up our panel today. So we'll switch over into the question and answer period. So anybody in the audience, please feel free to type your question into the chat menu, or if you'd like, just let us know and we can offer you the virtual mic if you'd like to pose a question. So we'll start there now. I have a few questions of myself. So if anybody would like to ask, please feel free. We have any hands raised? All right, well, maybe I'll start off, if that's okay, in English, if that's acceptable to everyone. But certainly one thing from CAGS's perspective is that in all of the sessions this week, data seems to be a hot topic, whether it's from how do you admit students to tracking data of what types of students you have at your university to data for kind of career outcomes and transitions. And every session seemed to all conclude with, well, we need the data and we don't have the data to make these decisions. So my question maybe to the full panel is, do you think at the present time, issues of data are being taken seriously enough at the university level? And do you in the future see data as kind of being that magic key, if you will, to understanding the graduate education landscape and trying to improve upon it? Dominique, please go ahead. Si je peux me permettre, c'est une excellente question et j'ai l'intuition, mais ça demeure qu'une intuition, que les universités n'ont pas encore réalisé à quel point elles disposent de grandes quantités de données qui peuvent leur être utiles. Ça, c'est probablement la première chose. Alors, on commence à comprendre la valeur des données, mais on n'a pas encore réalisé à quel point on peut mettre à contribution ces données pour réaliser un certain nombre de tâches. L'exemple de mon collègue Cel, dont il vient de parler, est tout à fait parlant à cet égard-là. Ce sont des données bien particulières, ce sont des données textuelles présentes dans des plans de cours, et on peut les utiliser à plein de fins, l'identification d'une composante expérientielle est l'une d'entre elles, mais on pourrait identifier le chevauchement entre des cours, la redondance entre des cours, identifier des parcours, proposer des cours aux étudiants. Alors, j'ai identifié deux pistes un peu plus tôt, à savoir le décrochage et le plagiat, mais on aurait pu mettre des dizaines et des dizaines de choses que l'on peut faire avec les données dont on dispose à l'université. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on y a aussi fait référence, je pense que les universités, d'une part, n'ont pas saisi la quantité et l'importance des données dont elles disposent, mais d'autre part, je pense qu'elles comprennent très bien la difficulté d'utiliser ces données-là. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont dans différents formats, elles sont dans différents systèmes d'information, elles sont parfois difficilement interopérables. Alors, donc, il y a des défis techniques qui, a priori, semblent simples, mais qui sont très difficiles à relever, qui permettent d'exploiter ces données-là. Oui. Alors, et pour cette raison-là, je pense qu'on est encore, malheureusement, assez loin d'une utilisation à son plein potentiel des données dont on dispose dans le secteur universitaire. On pourrait rajouter d'autres choses. Je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole à mes collègues panélistes. Oui, excellent. Merci, Dominique. Maybe if we could, for those of you who aren't accessing the French interpretation, Dominique, would you mind just repeating your two points, not the whole thing you just said, but just your two main points in English, just for our American colleagues? Sure, no problem. What I was mentioning was that the universities have not yet realized the value of the information that they have right now. What Seth presented regarding the syllabi is a good example of that, but we could list dozens of applications that we could do with the data that universities have. That's the first thing I mentioned. The second thing is that
it's hard to use correctly the data that universities have. There are technical issues. They're usually in different formats. They're in different information systems. So using the data in a way that's useful for universities requires many pre-processing that are easy to describe like that, but a lot harder to realize from a technical point of view. Right on. Excellent. Thank you, Dominic. And anybody else on the panel would like to take on that question of how universities are either using or not using enough the data they have access to? Yes, Sel, please. I will switch to English. I would add to Dominic, it is an issue for universities with the diversity of information systems. And sometimes you will have departments or faculties that will start some projects that the central university or the IT branch of the university is not aware of it. And this creates new data that people are not aware that it exists. And you never know what kind of systems are being used, the heterogeneity of the systems, of the data and so on. So yes, I totally agree on that. We have a long way for that, but we can make it shorter. Yes. Fast, and if you go with a good strategy. Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent, thank you. And Sangtek or Natsuko, did you want to add to that? Yes, all the points are well taken, and I agree. I'm sort of wearing multiple hats, and in a data curator and data provider and data consumers, and that's one thing that we often say, like data processing. It's not just a technical, but it's so much effort and time it's consumed. And then from the provider's perspective, not necessarily understanding how the data would be used. And then once the researcher uses, and then the researcher, of course, customize or reprocess again. So then another beautiful, valuable product will be there. But then once the graduate students graduate or the faculty leaves the campus, and then another great asset would be lost. And then the question about how we preserve that value and how we deposit and how we share. So there's a lot of moving targets, and that's something that I face every day. And I think it takes the whole village to do well in a way. Yes, Sangtek. Yeah, I just want to add some thoughts on my like text data set, because I think the key strength of the using text data is it has like both qualitative and quantitative components of it. So I think right now, there's a bunch of unstructured data, text data out there, but if we can like measure some kind of things from those like unstructured data, I think we can get more like rich understanding of like quantitative and qualitative information from those data sets. So that's, I think, why that like text data is important right now. Excellent, thank you. Luc, avez-vous une question? I have one. Julia, please. If there are not any further from the audience first, of course, but if there aren't any. There is one from the audience, yes. Okay. Please proceed with that then, I'll hold on. Okay. Allez, Luc, s'il vous plaît. Yes, thanks. It's actually a follow-up on this one, because I think there's a big divide between research or university management and research, because I don't think it's not understanding or realizing the value of data. It's because it's administrative data that we have. There are offices in many universities, IR offices, where their job is to organize different data sets. So at Laval, we've built a big data warehouse, but there are a number of issues because these data aren't collected for research purposes. They can be used by institutional researchers to do many things, but it's not available for external researchers. And this is a big issue because
it limits the use of this data for two IR researchers and their limited time and resources. So I agree it would be nice if these kind of data could be shared or organized in the larger university systems, but it's quite a challenge. There are all kinds of issues, ethicals and consent and privacy issues, because universities do have lots and lots of data about their students, where they went from, who were their parents, their grades and all their courses. So it becomes very touchy to organize the data and make it available, publish it, make it available for various research. So it's a bit complicated. That's what I just want to know to say. Anybody like to add to that, Natsuko, Sangtek, Sel, or Dominic? I agree. I mean, it was one point that I mentioned in my presentation, accessing those data, the data are there, but having it is a different story. And that's one example, but we could mention tens of examples like that. Julia, did you want to pose your question? Sure, if I may. I'm struggling with my camera, but I will ignore my camera for the moment. The question I had is sort of a big picture question, but I'm interested in hearing the all four panelists comment on this. We know that that this is a difficult moment for institutions of higher education for all kinds of reasons, in addition to COVID. And certainly in the US, funding is an enormous a problem. And we are looking at likely deficits moving forward and constraints. And also as the last 40 years have shown, we've had decreasing amounts of federal funding. Again, in the United States context, I'm not quite as familiar with the funding in Canada, but certainly that's been decreasing for the last 40 odd years. This question of what public good universities serve is of particular importance. And I wonder if any of the four of you have strong opinions about what sorts of questions should be asked in order to illustrate the connection between the important work that is done at universities using, you know, these various data techniques that have been discussed today and the public good. I hope that's clear. Natsuko or Sangtek, did you want to take that question? Sure. My short question is definitely the measurement of impact has been challenged itself. So it's not just how the value of education and where the students land in terms of employment after the graduations, but at the same time, we use the data to look at the impact of local economy when researchers receive grants and they hire people as well as use vendors for services and goods. And it's not necessarily all the biggies, like, you know, buying computer from, you know, Hewlett Packard or Dell. It's more like working with a local economy, helping a local economy. And then we also started looking at the startups and owned by women's and minorities. So there are a lot of different ways to look at
the impact and then measure the impact, and not necessarily the number of publications and a number of proposals and also the number of patents. And those are definitely very important and crucial to look at the productions of scientific activities, but there are other variables that definitely plays a role. And that is why I think there are a new dimension of the data, administrative data, and other universities' records are being considered. Yes. Sel, did you want to pick up on that? Yeah, I can add maybe a few words on that. So we can also measure the impact that universities or universities research, universities courses, and so on have on their environment. And we can get this data from the universities. We can see research partnerships. We can see patents. We can see the employments of the students, where they are, and so on. So we can combine with all this kind of data. So the students who did their PhDs, research masters, where they are, how they grew up. And this data is available either at the university's level or it can be collected in some way. But only with the university's level, they have most of the data and we can see how it contributes to its environment as a public good. Excellent. Thank you, Sel. Anybody else want to pick up on that? Well, we're getting a resounding silence there, Ian. So perhaps this is our moment to wind things up. And yes, we're highly aware that the closing session is starting for the conference in just 4 minutes, if I'm not mistaken. And so Ian has got to go his way and get ready for that. I would like to just take a moment to thank all four of our panelists for their erudite presentations today. I certainly learned a lot, and I'm sure members of our audience did as well. So Professor Fauré and Professor Melouli, which I'm sorry, I just massacred your name, that's terrible. Dr. Nichols and Sang-Tek, soon to be Dr. Sang-Tek Oh. Thanks to all of you for your time and for sharing your wisdom with us today. Yes, thank you so much. And thank you to our hosts, Jillia and ProQuest, and to, of course, our panelists. Go ahead, Sel. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. All right. Bye-bye. Take care, everyone. Thanks for joining us today. Thank you. Bye-bye.